Ma musique n'est pas conne et pas comme les autres, mais c'est la mienne. Elle souffre, c'est pour ça qu'elle s'offre à vous. Elle ne passe pas aux aveux, mais dit la vérité. La vérifier serait pas possible, elle est un saphir. Sachant toutes les conneries que ce genre diffuse, elle se doit d'être la plus vraie possible. La plus fraîche, peut-être pas, car elle a quand même un bon vécu avant de vivre cruel. Elle se doit de diffuser dans toutes vos oreilles et diffuser le parfum de quelque chose qui est moi et que je veux transmettre. Elle ne roule pas sous le shit, mais sous mes cheveux un peu argent. Elle ne coule pas sous l'argent, elle se veut être moi authentique et en même temps sublimer la beauté de cet art et de l'imagination dans un carcan très restreint, celui de l'atmosphère où j'habite. En écrire des pages infinies, je voudrais bien, c'est mieux que l'ergia comme je fais. En effet, ces lettres, ces formes sont dures à trouver pour les réciter et vous les transmettre. Elle se veut écrire pour supporter et éloigner le mal, toutes ces conneries et ces choses néfastes. Elle se veut me faire sortir de l'ennui, de tous ces bruits néfastes, dont elle est beaucoup plus harmonieuse. Au début, j'écrivais sans savoir pourquoi, sûrement par passion, pulsion, elle est pulpeuse, puis après, pas envie, et ensuite, en espérant faire comme tous ces artistes, être connus et reconnus et riches. Mais quand elle voit le milliard de Muggy, elle continue, malgré sa pauvreté en euros, mais sa richesse en contenu, à provoquer un peu de magie, à me soulager, peut-être me rendre un peu plus heureux. Elle voudrait s'écrire à l'infini, elle sublime ma tristesse, ma mélancolie en musique. Elle est douce et ne cherche pas toujours la rime, mais là, elle doit s'arrêter 2 secondes. Méthode et art de guérison dans un monde très dur et dans un vacarme, elle fracasse en 24 carats. Je suis un carme unique, laisse tourner ce sample qui nous envoûte et convoque vers la plus haute sphère de l'esprit encore plus doux que celui des vagues. Quand j'écris pas, je fais que de me détruire dans des choses inutiles. Quand c'est pas le bruit affreux et casse-tête des voitures entourées de bitume, ma plume glisse pour apporter ce son si mélodieux et doux dans cette atmosphère urbaine. Elle a connu plusieurs terres à 19-20 piges, c'était la terre paradisiaque, aphrodisiaque, qui l'a guidée dans ses débuts et lui commençait son apprentissage parmi les bêtises, loin des bêtises et du bruit de la vie en ville. Vivre vite, en bref, voilà quelques brefs de rêves qui dérivent je ne sais vers où, vers la douceur, l'harmonie. Maintenant elle essaie d'avoir un goût aphrodisiaque, elle l'a un peu, certains la hissent, mais elle saute les des putes avec facilité comme ceux qui ont des facultés et réussissent à la fac. Loin de la bac, tout le monde devrait la voir à la à Fnac dans les bacs et la voir dans ses backstage d'ici à Brooklyn. Je referme le livre.